Nous accueillons avec nous Robert Lortal, dit Roro. Roro l'affreux. Non, pas Roro l'affreux. Donc Roro, surnom gentil que lui ont donné ses amis d'il y a fort longtemps. Et donc Robert va nous raconter son extraordinaire aventure qui a changé sa vie en fait. Ben merci Isor déjà de m'avoir reçu et de m'a donné l'occasion de m'exprimer à nouveau. Et puis quand j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà, donc je vais vous raconter déjà un fait qui s'est passé en 1960. C'est l'année où je me souviens, là, parce que c'était donc l'année où j'ai passé mon certificat d'études. J'avais 14 ans. Alors ça s'est passé au mois d'août, au moment des dépiquages, des blés, tout ça. Et donc avec des voisins là, du village de Trébessac, Romagnac, etc., donc on était affecté avec un gars de Trébessac à enlever la paille de derrière la presse. Et alors à un moment donné, c'était en plein après-midi, et au bout d'un moment, la paille s'amoncelait, et puis j'ai regardé, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre, il me laisse un temps, il ne me la tire plus là. Et donc ce monsieur s'appelait Georges Second, il était de Trébessac. Alors il me dit, regarde là-bas. Je regarde, il me dit, une étoile, à 2h ou 3h de l'après-midi, c'était. J'ai dit, mais il y a longtemps que tu la vois, là. Il m'a dit, ça fait 5 minutes que je la regarde, c'est pour ça que... Et moi, je l'ai vue, regardez. Et puis d'un seul coup, cette étoile, elle était fixe, elle a fait un mouvement comme ça. Elle est assez lentement, comme ça, non. Et là, zic, un trou. Une seconde, elle n'y était plus. Donc, mais là, je ne sais pas s'il y a un rapprochement par rapport à moi ou pas. Alors, le monsieur Second, il me dit, mais tu vois, c'était le diable. Il a oublié de partir, là. Voilà, bon, ensuite, après, c'est donc, après, rien de particulier, jusque donc, au niveau en 1966, avec mon père, là, qui a vu ces fameuses boules, là-bas. Bon, j'étais à la fête de l'UNAC, et je rentrais, donc, c'était minuit ou minuit passé. Et tout était allumé, là, tout était allumé à la ferme, il y avait la lumière extérieure, tout ça, les voisins, tout le monde s'affolait. J'ai dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il m'a dit, mais il y avait des boules qui circulaient, il y en avait 4, 5, 6, qui venaient, qui descendaient, qui faisaient le tour. J'ai dit, mais il n'y a rien là, j'ai été voir, j'ai fait le tour de la maison, il n'y a rien, vous êtes fous. Écoutez, on va se coucher, vous avez vu quelle heure il est là, allez, tout le monde, on va boire une tisane entre voisins et on va au lit. Bon. Alors ensuite, rien, jusqu'au mois de janvier 1967, où mon père là, a commencé de nouveau à avoir des boules, il m'appelle, moi j'étais à la maison, il m'a dit viens me voir, il y a les boules comme au mois de juin. Bon, je vais voir, il n'y a rien. Alors après j'ai tiré du fouet là, pour les bêtes pour le lendemain. Et après il m'appelle de nouveau. Et là, il m'a dit, viens voir, elles sont revenues. Parce qu'il m'a dit une fois elles y sont, une fois elles n'y sont pas. Bon, j'y reviens vite, je sors vite. Et je vois des boules. Avec une obure, merde, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça m'a un petit peu interpellé quand même. Et puis ces boules faisaient la navette à droite, à gauche, jusqu'à 22h, 23h. J'ai dit, merde, on va se coucher, là, laisse tomber. Et ensuite, donc, elle revenait ensuite de deux jours en deux jours. Là. Et puis, à un moment donné, mon père, il a voulu essayer d'en poursuivre une, là, de passer sur un chemin.
Et la boule leur suivit, il y avait une haie. Alors là, il y avait mon père donc, qui était sur la route, la haie, et une boule qui passait de l'autre côté. Il leur suivit sur une trentaine de mètres ou 40 mètres. Là. Et là-bas, ils voulaient passer dans un passage pour essayer de passer derrière cette boule. Et la boule s'est plantée au milieu du passage. Donc il n'a pas pu passer, il est retourné sur la route. Et la boule l'a resuivi sur pareil, le même trajet. Et donc il m'a appelé, mais bon, j'ai vu l'obus là-bas, parce qu'il m'a, j'ai vu l'obus, et là j'ai été mal quand même, j'ai dit, quand même, il y a un problème, là, ça coule à quoi ça, je me suis dit, c'est les militaires, mon père m'a dit, il y avait la base militaire de Caylus là-bas, il m'a dit, c'est peut-être les militaires, j'ai dit, peut-être. Et puis à un moment donné, quelques temps après, j'ai dit, elles sont revenues. Bon. Et il y en avait une qui est passée dans un chemin, et elle s'est arrêtée au milieu de la route. Et moi, j'étais à peu près à 50 mètres de la route, je voyais ce boule, les autres qui bougeaient, il y en avait 5 qui bougeaient, et celle-là, elle était en plein milieu, elle ne bougeait pas. Et puis j'ai attendu quand même un petit moment, j'ai attendu, c'est pas vrai, là. Ce machin, il doit être en panne. Alors, j'ai dit, il me traverse l'esprit, j'ai dit, attends un peu, j'ai dit, tu vas prendre la voiture et tu vas y aller derrière mon esprit, j'ai dit, attends un peu, elle ne bouge pas, elle est en panne, moi j'avais la voiture, j'y vais pas avec les mêmes parce que s'il y a de l'électricité, j'ai dit, tu vas te faire électrocuter. Et j'ai dit, je vais prendre la voiture, comme ça je vais t'y foutre un coup de pare-choc et on l'amènera dans la chambre, on verra bien. Alors j'ai dit à mon père, écoute, il y a du carburant, il y a assez d'essence dans la voiture, parce que souvent, les voitures, il y avait très peu de carburant souvent dans les voitures, dans les campagnes, comme ça on attendait des fois que tout soit fini pour en mettre d'autres. Et j'ai pris la 203 et je suis parti. Arrivé à quelques mètres, la boule, j'ai dit, mais t'as la berlue ou quoi? Elle s'est mise à bouger, à avancer. Et plus j'accélérais, plus elle gardait toujours la même distance. Et on a fait un peu plus de 3 km comme ça. Et arrivé au bout, à l'embranchement de la route qui va entre La Fouillade et Villefranche de Rouergue, j'ai senti de la chaleur, et la voiture j'accélérais, mais elle ne répondait plus. J'ai dit, ça y est, et alors j'ai débrayé pour essayer de me garer sur le côté, ce que j'ai fait. Et la chaleur montait, j'ai entendu un panneau qui était pas loin là-bas, qui annonçait l'autre route. Là. Et il s'est mis à vibrer ce panneau, puis la chaleur montait dans cette bagnole, là, incroyable, et là j'ai perdu connaissance. Bon, j'ai vu la boule, une autre soucoupe qui arrivait là aussi, la soucoupe à deux dômes, la fameuse soucoupe à deux dômes qui arrivait, etc. Mais après, c'était là, le blackout. Et donc, après, quand je me suis revenu à moi, j'étais allongé dans un fossé. J'ai dit, bon Dieu, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Enfin, j'ai vu la voiture, là, pourvu qu'elle démarre. La voiture a redémarré au quart de tour. J'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison. Et quand j'arrive, pareil, il y avait mon père, ma mère qui attendaient, tout allumé là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas au lit? Je ne savais pas trop où j'en étais là. Et ma mère, mais il est 4h du matin. 4h? J'ai dit 4h du matin? Bon. Et allez, on va se coucher là. Alors, mais j'ai dit, mais pourquoi? Oui, je dis, pourquoi vous n'avez pas été voir les voisins? Il m'a dit, mais à la ferme, il y avait deux endroits où on pouvait sortir, un chemin d'un côté et une autre allée de l'autre. Alors il y avait une boule sur l'une et une autre boule sur l'autre. Ma grand-mère m'a dit, mais on ne peut pas passer, il y avait des boules qui nous empêchaient de passer là. Et moi, quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Et elle m'a dit, mais deux ou trois minutes avant que tu arrives, les boules sont parties. Bon, voilà cet épisode-là. Et puis après, j'ai vu les boules, la fameuse lumière avec l'obus qui rentrait, là, une lumière hyper intense, là, qui rentrait à travers ma fenêtre là, de ma chambre. Là. Et souvent, le sommeil me prenait, j'allais me coucher. Il fallait que j'aille me coucher, sinon je serais tombé par terre. Et après, quelques jours après, parce qu'il venait souvent, j'ai vu arriver des gens qui passaient à travers le mur épais. Le mur fait un mètre, ces maisons anciennes de campagne. Il y avait des hommes, des femmes.
Et j'ai dit, mais je leur ai dit, mais qui êtes-vous? Vous êtes des anges, vous êtes... Non, non, nous sommes des êtres humains. Sauf que nous ne sommes pas de la Terre, nous venons d'une autre galaxie. Nous sommes d'une autre galaxie. Après, il y a eu des examens médicaux. À un moment donné, j'ai vu mon bras droit avec un cerceau de lumière, là, qui se remplissait de sang. Et puis de nouveau, hop, blackout. Et petit à petit, ensuite, ils ont, comment dirais-je, on a commencé un petit peu à dialoguer et ils ont desserré les taux quand même. J'étais moins contraint de, comment dirais-je, je pouvais bouger, pouvais discuter, je pouvais... Et donc après l'épisode qui a été un des plus importants, c'est le 1er octobre 1968 où j'ai commencé, la biologiste m'a appris la première séance de yoga. Allongé, je me souviens très bien, allongé par terre, mettre, comment dirais-je, à genoux, donc, et le sol la tête par terre, l'exercice de yoga. Et petit à petit, ça s'est enchaîné, j'ai fait des séances. Puis après, plus tard, donc, en 1968, on m'a appris un petit peu donc, à respirer, etc. Là. Et la proposition pour partir en Inde. Alors le guide m'a dit que tout serait bien pour moi, que je n'avais rien à prendre, rien à craindre, que je passerais un an et que je veuille bien y réfléchir. Et j'ai dit bon, je savais pas trop. Donc j'ai dit j'ai pas de copine, j'ai pas vraiment d'attache vraiment. Après tout, je peux bien partir un an, pourquoi pas. Et je lui ai dit, oui, ok, je viens. Alors à ce moment-là, ils m'ont donné une date au mois de janvier pour partir. On m'a dit, il y a un vaisseau là qui arrivera. Toi, tu descends là-bas, au fond du champ, le Koutar, ça s'appelait ce champ, le Koutar. Au fond, il y avait un cerisier. Alors tu te mettras au pied du cerisier, et quand on arrive, tu ne t'avances pas, tu ne viens pas au vaisseau. Tu ne viens pas. Tu attends qu'une lumière jaune s'allume. Au moment où la lumière jaune s'allumera, à ce moment-là, tu pourras t'approcher, tu pourras venir. C'est ce que j'ai fait. Alors, bon, j'ai attendu un moment. Mais alors, en partant de chez moi pour descendre dans le champ, à un moment donné, j'ai été pris d'une panique intense. J'ai dit, c'est pas vrai, mais tu ne vas pas respirer dans ces machines-là. Ils vont monter tellement, mais tu ne pourras plus respirer. Peut-être qu'ils ne respiraient pas, ces gens-là. Alors, j'ai dit, oulala, mais j'avais la sueur, je suis de partout, transpiré, c'est dingue. Et alors, le guide, j'ai reçu un message télépathique, le guide m'a dit, rassure-toi, tout est bien, il n'y a aucun problème pour toi, tout est prévu, il n'y a aucun souci, donc tu descends, tu fais comme on te l'a dit, il n'y a aucun problème, bien au contraire, et tu seras amené à voir de belles et de grandes choses. Voilà ce qu'il m'a dit. Bon, alors je suis descendu, donc quand la lumière sonne, s'est allumée, je suis rentré, le guide m'a tendu la main, comme ça, bonjour. Je rentre là, puis d'un seul coup je regarde derrière, tout était fermé, j'ai pas vu plus de porte, il n'y avait plus rien, quoi. J'étais à l'intérieur, une belle lumière blanche, une lumière qui sautait de nulle part, c'était éclairé, une belle lumière, douce d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment j'ai dit quand même, j'ai dit mais on ne part pas, dit, mais on est déjà parti, il m'a dit on est à 40 km d'altitude. Alors il m'a dit, regarde, avance-toi, il m'a dit, lève-toi de sur son siège, tu regardes en bas. Et j'ai vu une ville, j'ai pensé que c'était Marseille, je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit, je sais peut-être Marseille. Mais alors c'était vraiment, ils nous ont dit, on est à 40 km d'altitude. Alors ces panneaux, c'est dans la particularité où on ne voit rien du tout, c'est vraiment, comment dirais-je, on ne voit rien du tout, c'est vraiment fermé. Et d'un seul coup, ça peut devenir ultra transparent, voire même grossissant. Je ne sais pas si on a encore ces matériaux, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais alors, pas de bruit, on a été, au bout d'une heure, donc, on était là-bas, on est arrivé là-bas, en Inde. Et puis, on m'a dit, là, ce soir, on ne va pas faire beaucoup de choses, tu vas aller te coucher, là, avec une chambre, etc. Là. Un petit peu comme à la maison, avec un lit en bois, etc. Il y avait des toilettes.
Et puis, après le lendemain, bon, on a bu une tasse de café. Le café a exactement le même goût que le que faisait le café de ma grand-mère. Pareil. Et puis après, on a commencé à travailler un petit peu le yoga. Puis, bon, au fil des jours qui passaient, la biologiste m'apprenait. Enfin, vous savez, vous savez ce qui se passe. Voilà. Donc, par contre, de temps en temps, on montait le soir. Avec le guide, des fois la biologiste, montait sur un ascenseur. Alors, il suffisait de rentrer dedans, c'était circulaire. Ça montait, ça grimpait tout seul. On aurait dit qu'il y avait une paroi extérieure, ça montait entre deux cercles. Et on sortait, si vous voulez, on sortait là-bas, donc au-dessus de la base. L'ascenseur s'arrêtait net au niveau du sol. On sortait, il n'y avait que le corps qui dépassait. Il suffit d'avancer, on n'était plus dans l'ascenseur. Alors il m'avait montré que l'ascenseur, s'il n'y avait que les personnes qui étaient habilitées à le voir. Sinon, les autres, il pouvait y avoir d'autres personnes qui passaient par là, elles ne verraient jamais l'ascenseur. Alors, bon, à un moment donné, je ne sentais pas le froid. J'ai dit, mais on est quand même haut, tout ça, on est dans l'Himalaya. Mais il m'a dit, mais. Tu ne pourras pas sentir le froid parce qu'il y a un cercle de protection. Et alors, elle m'a dit, tu veux savoir ce qui se passe? Alors, à un moment donné, on est sorti une jour dans la journée. Alors, quand on était au soleil, la partie du corps qui était au soleil, mais il faisait hyper chaud, on transpirait. Et la partie du corps qui était à l'ombre, mais il faisait un froid glacial. C'était assez particulier. Puis on a travaillé, on a discuté. Elle m'a amené des livres, des ouvrages de science et vie, surtout de science et vie d'ailleurs. Elle m'a parlé des quasars, des trous noirs, enfin des soi-disant trous noirs, des masses sombres, etc. Elle m'a dit, c'est pas tout à fait ça, ce que disent vos savants, c'est pas tout à fait ça. Voire même, des fois, c'est fou. Alors elle m'a expliqué des trucs que je comprenais rien, bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, l'autre épisode que j'ai vraiment... Qui m'a vraiment marqué, c'est la rencontre là avec dans la grande salle où il y avait d'autres vaisseaux spatiaux, cette fameuse conférence là, où il y avait je me souviens, il y avait une table ovale avec des sièges, il y avait des sièges, c'était long là, c'était, je sais pas combien ça faisait, il y avait 60 ou 70 mètres, il y avait les sièges étaient vides. Et puis d'un seul coup, à un endroit près, toujours au même endroit, une personne apparaissait. Après, elle allait se placer. Après, une autre apparaissait comme ça, subitement. Hop, une personne, il y a quelqu'un, il n'y avait rien, puis il n'y avait quelqu'un. Et c'est vrai que c'est marquant. Ça s'est dit. Puis après, il y a eu, ensuite, quand tout le monde est arrivé, il s'est ouvert comme dans le vide. Des vaisseaux sont apparus, des gens sont apparus. Il faut dire aussi qu'à cette conférence, il y avait des gens qui étaient très grands, il y en a qui faisaient sûrement 3 mètres. Après, il y en a qu'on. Moi, je l'ai appelé les trapus parce qu'ils étaient assez costauds. Et. Comment dirais-je là? Je crois que c'est Georges Metz ou Gérard de Forge qui nous avait envoyé les. Comment ça s'appelle là? Je ne me rappelle plus. Du côté de la Norvège là-haut. Comme ça, non. Je ne me rappelle plus. Et j'ai reconnu exactement le même type de personnes. Comment ça s'appelle les Yargas. Les Yargas. Je crois que j'ai une photo dans mon portable. Je crois que j'ai des photos sur mon portable. Enfin, des photos. C'est pas des photos, c'est une reproduction, si tu veux, dessinée. C'est pas des photos parce que la personne qui était là à l'époque. Et c'est la seule race que j'ai reconnue. Je les ai vus déjà en Inde, ceux-là. Je l'avais dit d'ailleurs à Georges et à Gérard de Forge. Et donc, c'est vrai, après, on les voyait, il y en avait qui discutaient. Dans ces vaisseaux, il y avait des communications, le ciel était très beau, mais c'était magnifique. On s'y serait cru là-dedans. Hein. Mais bon, j'avais été autorisé à assister à la demande insistante de la biologiste au guide, parce que le guide ne voulait pas au départ que j'assiste à cette conférence. Bon.
À force, il avait. Oui, mais alors, il dit rien. Il s'assoit, il dit rien. Il parle pas. Il se met à tel endroit et il bouge plus. Alors, ça a duré sûrement un couple d'heures, à peu près, au moins 2 heures. Voilà, après ça a été le voyage, comment dirais-je, la sortie avec l'émirat, la sortie en France, là. La biologiste m'a dit un jour, est-ce que t'aimerais faire une sortie un petit peu en vaisseau et on revient en France là-bas? J'ai dit oui, bon, bien sûr, j'ai dit bien sûr, j'aime bien. Donc c'était quelques jours après. Et alors au moment un petit peu avant, là, on monte sur la plateforme et là il y avait un vaisseau. Stationnaire non posé, mais il y avait. Donc on pouvait monter, on enjambait juste, on rentrait dedans. Et alors, il y avait du monde derrière moi. J'ai marqué un recul, il y avait des mondes à l'intérieur, là. Il y avait deux types en uniforme, là. Et alors, j'ai marqué un temps de recul, la biologiste m'a posé, non, mais n'aie pas peur, tu rentres, là. Et on est pareil, alors, donc après, quand il y avait les deux pilotes, il y avait un tableau de bord, là, avec des écrans lumineux. Alors, j'ai vu qu'il y avait les deux pilotes, là, ils faisaient juste avec les mains, comme ça, passer, ils touchaient même rien, ils touchaient pas, tac, 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 ils passaient comme ça. Alors ça s'est créé. Et donc le panneau qui était en bas, donc qui était au niveau du sol, il est devenu transparent. Alors j'ai regardé. Alors j'ai eu le vertige parce que d'un seul coup, j'ai vu la terre qui tombait à toute vitesse. Alors ça fait drôle parce qu'en fait, c'était nous qui montait à toute vitesse. Et j'ai vu la terre, ça vous donne le vertige, j'ai eu le vertige. Et après, on est venu, le guide me dit, au bout d'un moment, il me dit, on est en Italie, on survole l'Italie et on va arriver en France. Ah, il me dit, regarde, j'ai vu un avion de chasse. Il me dit, il y en a un autre plus loin, mais il est beaucoup, beaucoup plus loin, je ne l'ai pas vu d'autre. Alors on a fait, bon, il y avait donc l'avion de chasse, là, et nous on venait comme ça, alors on est passé comme ça, juste derrière lui. Alors on s'est approché, alors on ne s'est pas approché de suite. On volait à la même vitesse, à la même hauteur, même vitesse. Et puis, j'ai vu le tableau de bord de l'avion de chasse qui s'est affiché à côté du tableau de bord de l'engin qui nous portait. Alors, ensuite, le guide, il m'a dit, il souriait, il m'a dit, il semblait à son aise. Il m'a dit, regarde bien parce qu'on va donner quelques frayeurs au pilote. Bon. Alors, il arrive derrière, et puis d'un seul coup, il fait joupe, une bifurque, et on se met. Il était là, et hop, on arrive, il se met juste à portée, là, à ce niveau. Et à un moment donné, on a vu le pilote de l'avion de chasse, là, qui tournait la tête vers nous. Et à ce moment-là, nous, on est passé par-dessus, et on est revenu au même endroit, là. Et alors, quelques instants après, le pilote, l'avion penchait et se tournait vers nous. Alors d'un seul coup, l'avion il est devenu un point. Et là, le guide m'a dit, c'est pas l'avion qui s'est éloigné, c'est nous. Parce que si c'était approché, il rentrait dans le champ de force et il aurait eu comme des confettis. Il m'a dit, ça aurait fait comme des confettis. Mais par contre, il m'a dit, le pilote aurait pu il serait tombé avec son siège éjectable qui aurait fonctionné. Parce que la mort, on l'accepte pas, il m'a dit. Voilà. Voilà pour ça. Après, ensuite, on est descendu au ras du sol, mais à une vitesse phénoménale, ça vous donne le vertige, on a une impression de vertige absolument incroyable. À quelques dizaines de mètres du sol, mais à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, on est parti vers l'Allemagne et puis on est parti en Inde après. On a traversé l'Allemagne, je crois, puis après on a fait demi-tour à droite, on est parti vers l'Inde. Mais à des vitesses. Peut-être 7 à 8 fois, voire 10 fois le mur du son. Mais c'est incroyable, ces machines. Et ça, le moindre bruit, avec hyper confortable, c'est. Voilà. Bon, voilà pour cette aventure. Puis après, donc, en décembre, là, fin 69, on m'a dit bon, faudra rentrer, on va te ramener. Et donc, bon, j'étais quand même content de rentrer, après tout. Hein. Et en arrivant, bon, le vaisseau au même endroit, on a atterri au même endroit, pas loin du cerisier. Et le guide, il me tend une grande enveloppe jaune d'autrefois, vous savez, de la poste, là. Et il y avait 27 000 francs. Et il me dit, bon, j'étais un peu quand même un peu ému, je vois la biologiste qui s'approche, elle me fait la bise.
lui, il m'a touché la main, serre la pince, etc. Les autres personnes qui avaient dedans et tout. Et puis, je me suis mis auprès du cerisier, puis le vaisseau est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que, quand le vaisseau est arrivé la première fois avant de partir, le temps que j'attendais, il y a eu une trouée dans le ciel, une trouée, comme un autre ciel qui se présentait. Le vaisseau est passé, et il a fait une courbe comme ça, et ça va vite. Hein. Ça va vite, en pleine nuit. Et je leur ai demandé, mais comment ça se fait que vous arrivez à trouver le champ comme ça en pleine nuit, comment, hein? Alors maintenant, comme disait Georges, maintenant on a le GPS, à l'époque, c'est vrai que ça pouvait paraître... J'ai dit, mais c'est pas vrai, vous arrivez à trouver exactement le même endroit, comme ça, au mètre précis, ça... Voilà. Bon. Alors, comment dirais-je? Après, en 1970, mon père avait écrit à Lumière dans la nuit, à l'époque, ce que moi je ne savais pas. Et donc M. Lagarde m'a invité, on est parti d'ailleurs avec mon père, et donc on a discuté un petit peu, mais je n'ai pas parlé de tout ça, on a parlé simplement des boules avec la route et la sortie de la route et tout ça, quoi. On n'a pas parlé après du voyage en Inde, ni rien, ni du yoga, ni de quoi que ce soit. Et alors il me dit, tu sais, j'ai quelque chose à te raconter. Il me dit, je vais te raconter une histoire, une enquête que j'ai faite, qui s'est déroulée dans le Tarn-et-Garonne. Alors il m'a dit, il y a une jeune fille là-bas qui nous a fait un témoignage. Elle nous a dit qu'elle avait une copine avec qui elles étaient étudiantes à Toulouse, à l'université, je ne sais pas laquelle, à Toulouse donc. Et donc cette copine avait fêté ses 20 ans. Et quelques jours après avoir fêté ses 20 ans, elle est décédée. Et alors la fille donc, qui a fait le témoignage, elle dit, moi, j'ai pas compris parce qu'elle se portait très bien, elle n'avait aucune maladie, elle allait très très bien. Et on ne comprend pas pourquoi elle est morte, pourquoi. Et alors, quelques jours après, elle était un soir en train d'étudier dans sa chambre, au premier étage. Et d'un seul coup, le mur s'est ouvert. Elle a dit, le mur s'est ouvert. Et j'ai vu trois personnes. Il y avait deux hommes et une femme qui sont rentrés. Et un des messieurs lui a dit, j'ai dit, mademoiselle, elle a dit, n'ayez pas peur, votre copine, nous l'avons reprise. Parce que nous l'avions amenée il y a 20 ans, parce qu'elle avait fait une bêtise volontaire sur notre planète. Elle avait commis un acte grave. Donc on l'a enlevée de son corps, de sa planète, là où elle était dans cette planète, pour une incarnation sur Terre. Mais maintenant, nous avons estimé que la punition a assez duré, et nous venons simplement la reprendre. Elle a dit, mais ne vous en faites pas, ne soyez pas triste, parce qu'elle a retrouvé une situation, elle a retrouvé un travail, et les conditions de vie chez nous sont bien meilleures que chez vous. Voilà le témoignage de Fernand Lagarde. Il m'a dit, Fernand Lagarde, comment veux-tu que je publie ça? Moi, je ne pourrai jamais publier ça sur Lumière dans la nuit. Mais bon, maintenant, ça peut se publier couramment, puisque tout le monde en parle, mais à l'époque, il me dit, jamais je pourrai publier ce témoignage. Voilà, bon, ensuite, comment dirais-je? Donc, après, on m'avait demandé aussi de travailler, de faire du yoga, de certains exercices, certaines pratiques qui n'étaient pas connues tellement en Occident. Hein. D'ailleurs, j'avais fait, c'était au cours des années 2000 ou 2010, à une professeure de yoga, j'avais montré la séance que je pratiquais. Et à la fin, ben, regardez, ça dure une heure et quart donc. À la fin, elle m'a dit, mais monsieur, une séance comme vous la faites, mais il n'y a personne en Occident qui ait la souplesse ou qui ait la possibilité de pratiquer ce genre de choses. Je fais toujours une séance de yoga par semaine, maintenant c'est le mercredi, généralement, des fois c'est le jeudi, mais en principe c'est le mercredi, entre 5h au moins le quart du matin et 6h, c'est-à-dire une heure et quart, avec des températures à 17 degrés. Alors il faut que je vous sachiez, je ne l'ai pas dit, vous avez le scoop. Le yoga que j'ai appris en Inde avec la biologiste, ça se pratiquait nu, entièrement nu. D'ailleurs, j'avais tellement pris l'habitude que je ne peux pas pratiquer
le yoga avec un vêtement. Bon, je l'ai fait après, quand, pour Georges, quand ils sont venus, parce qu'ils ont voulu photographier ma séance de yoga. Bon, évidemment, hein, mais bon, je la pratique entièrement nue. Et on arrive même parfois à transpirer avec certaines respirations. Que vous dire de plus ? Donc en ce moment, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je travaille sur l'énergie qui permet de pouvoir augmenter les champs de force. Par exemple, on peut ouvrir une porte, on peut appeler ça une porte spatiale ou une porte d'énergie. Par exemple, quand vous marchez, si vous ne voulez pas être fatigué ou autre, vous allez ouvrir un petit peu, augmenter votre champ d'énergie et on ne sent plus, vous n'avez plus la sensation du corps, ou très peu. Donc à ce moment-là, vous pourriez marcher pendant des heures et des heures et des heures. Il y a aussi, les transferts de distance. Là, c'est un petit peu pareil, c'est une augmentation, augmenter un champ d'énergie, créer, si vous voulez, comme une sorte de vortex. Alors, vous êtes d'un point, par exemple, vous êtes d'un point et vous voulez aller là. Alors, si vous voulez aller là, alors ici. Donc, qu'est-ce qui va, par votre pensée, vous allez créer un champ. Vous allez créer un champ Alors, ça, les gens peuvent le voir parce que ça augmente, si vous voulez, la clarté. Au départ, ça augmente la clarté. Si on va plus fort, si on est beaucoup plus fort, on peut augmenter, ça devient un cercle de lumière. Et alors donc, vous êtes là, alors il faut visualiser le point où vous voulez aller atterrir. Par exemple, au départ, quand vous apprenez, vous prenez un chemin sur une centaine de mètres, c'est pas, hein, on ne peut pas faire des kilomètres. Il y a des gens qui peuvent traverser la planète en quelques instants. Bon, je suis loin, j'arriverai jamais dans cette incarnation à faire ça. Mais si vous voulez, vous avez le cercle donc, qui se forme, vous avancez, et une fois que vous allez dans le cercle, les deux se rapprochent, et vous êtes instantanément de l'autre côté. Mais j'arrive un peu à le travailler, mais il faut que je sois bien détendu, il faut que les circonstances, qu'il y ait du soleil, il faut que, etc., etc., il faut que les circonstances soient vraiment, vraiment bonnes. Hein. Il y en a qui le font avec des circonstances très mauvaises, voire en temps de guerre ou très, très dangereuses. Je n'arrive pas encore à ce niveau-là, ni même je n'y arriverai pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a toutes les possibilités, on a toutes les capacités. Il y a, comment dirais-je, il y a un fil, bon, on voit des gens où on est dans un monde noir, on parle de, comment dirais-je, de cercle noir, de force noire, etc., qui nous gouverne ou qui peut nous diriger. Bon, c'est vrai. Mais, par contre, il y a quelque chose qui est formidable chez l'être humain, et même chez les animaux, mais surtout chez l'être humain, et d'autres races aussi, c'est d'être relié, on est toujours relié à une force divine. Toujours, toujours, toujours. Et c'est grâce à ça qu'on peut, justement, déclencher certaines choses et avancer. Oui. Les êtres avec qui vous étiez de lointaine galaxie, physiquement, comment vous pourriez les décrire, la couleur de la peau, est-ce qu'ils étaient humains comme nous? Oui, ils étaient humains, sauf qu'ils étaient bon, plus grands, environ des tailles en moyenne, environ 2 mètres. Alors les yeux, au lieu d'être comme nous, ils étaient un petit peu en biais, comme ça, là. Hein. Un petit peu de type oriental, si vous voulez. Mais ils étaient blonds, Ils étaient blonds, hein. Avec des yeux bleus aussi? Avec des yeux bleus, oui. Avec des yeux bleus. Et quand vous étiez en Inde, vous étiez où en fait? Vous avez passé un an en Inde? J'étais dans une grotte aménagée ou une base souterraine, comme on veut. Alors, il faut dire aussi, en tant que j'y pense, que dans ces bases-là, comme ça, il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Beaucoup d'énergie. Ça, on a une sensation spéciale, c'est très difficile. D'ailleurs, s'il ne m'avait pas auparavant implanté, le champ vibratoire était tellement élevé que je n'aurais pas survécu. C'est... Oui. Ah oui, à la fameuse implant. Non, je l'ai, on ne me l'a pas vraiment dit, mais je l'ai compris après. D'ailleurs, quand on a été aux rencontres ufologiques à Châlons-en-Champagne, là, où il y avait le contre-amiral Gilles Pinot, il y avait pas mal de personnes là.
Alors, bon, il y avait Georges, bien sûr, et Gérard Deforge, etc. Il y avait un médium, il y avait un... Et donc, je me suis assis là. Alors, il a voulu voir mon dos, voir son implant un peu. Alors, bon, j'étais assis. Ouh là là, avant qu'il fasse quoi que ce soit, j'ai senti que ça remuait derrière dans mon dos là. Bon. Et alors, il a voulu, donc le gars, il a voulu mettre le doigt. Il est parti, il a failli s'étaler un mètre par terre là-bas derrière moi. Il a pris une décharge électrique, mais très puissante. Moi, j'ai pas senti de décharge électrique, mais lui, il l'a senti, par contre. Et Georges Metz, qui a voulu photographier, il avait l'appareil photo, il entendait le bruit comme un moteur. Il entendait un bruit de moteur électrique, un bruit de moteur électrique. Et moi, j'ai senti que l'implant il rentrait à l'intérieur. J'ai dit, là, ils ne trouveront plus, là. Et Georges, oui, je vous donnerai la parole. Georges, il me dit, mais c'est pas vrai, c'est comme... Il me dit, c'est pas vrai, ça, on n'y croit pas, là. Et le contre-amiral Gilles Pinon, qui était juste à côté, ah ben merde, alors qu'il dit, ah ben merde. Voilà, oui. Pour quelle raison? Parce que j'avais certaines particularités qui les intéressaient. D'accord. Voilà la réponse du guide. Tu peux en dire plus de ces particularités? Pardon? Tu peux dire en dire plus par rapport à ces particularités? Ben, déjà le groupe sanguin, puis bon, il faut dire que, comment dirais-je, là encore un autre scoop. On a fait faire, comme on a de grandes filles en situation de handicap, on a fait faire de la recherche sur la génétique. Et on parle beaucoup de variants à l'heure actuelle. J'ai un variant, et ça fait 3 ans qu'ils cherchent. Alors, ce variant, ils ne savent pas à quoi il sert. Il est inconnu. Alors, d'après ce qu'on a dit, c'est parti. Hein, on est dans des laboratoires européens et même hors Europe. Et ce variant est inconnu. C'est un virus ou un microbe? Non, ce n'est pas un virus. Non. Non, non. Oui, oui, oui. Hein? Qu'on a retrouvé chez une des filles d'ailleurs. Hein? Qu'on a retrouvé chez une des filles. Mais dans son génome. C'est dans le génome, oui, c'est dans le génome. Dans le génome, oui, oui. Et vous êtes de quel groupe organe, du coup? Je suis du groupe O+. Ah. Quel langage parle-t-il entre eux? Ils parlaient tous français, entre eux ou... Avec moi, ils parlaient français. Avec moi, ils parlaient français, non? Oui, 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 mais ça, c'était incompréhensible. Mais ils parlaient très peu, ils parlaient très peu. Et pourtant, alors vous savez, je me suis senti vraiment handicapé parce que le langage, d'accord, mais eux, ils parlaient sans langage. Et moi, je ne comprenais pas. Voyez-vous? Alors, voilà, c'est... Parlaient télépathiquement ou avec... Télépathiquement, hein. Même sans se regarder. Est-ce que vous pensez que les os sont reliés aux nerfs? Je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Oui? Alors la nourriture que j'avais, c'était ils mettaient des boules rondes comme ça que j'écrasais avec la fourchette. Comme ils avaient reproduit un petit peu le même schéma que ce que j'avais à la maison quand même, pour que ce soit pas trop dépaysé. Mais c'était quand même assez bon, c'était très bon. Je sais pas, ça ressemble, ça avait des goûts de viande, parfois des goûts un petit peu différents, des goûts de légumes. Ben, disons que quand je suis parti, avant de partir, mon père savait que je partais avec les visiteurs. Ma mère pensait que je partais à Paris. Et au-delà, quand je suis revenu, la première chose que j'ai faite, le lendemain matin, c'est que j'ai été au grenier, aller prendre du blé, faire cuire du blé dans une casserole, avec de l'eau et du sel, et je l'ai mangé. Ma mère m'a dit, mais tu es cabour. Elle m'a dit, mais tu es fou. J'ai dit, non, mais tu verras. Et donc, j'ai changé petit à petit après l'alimentation. On est, bon. Et pour eux, il y a un an qui est passé. Ils ont compté les jours. Un an qui est passé, oui. Pour nous. Pour nous, il y avait un an qui est passé, oui. Et pour eux aussi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas au niveau du temps. Pour eux, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Oui. Vous avez parlé du lien avec le divin. Quoi. Oui. Le lien avec le divin. Oui. Comment on fait pour alimenter ce lien? Comment l'agrandir? Qu'est-ce qu'il faut faire?
par visualisation. Par exemple, on peut visualiser se mettre en contact avec le soleil. Vous visualisez un grand disque jaune, par exemple. Il faut avoir des pensées d'amour. Hein, je suis en contact avec l'humanité, je suis en contact avec le divin, je suis... Mais sans cette, si vous voulez, on parle beaucoup de Dieu, mais en fait, on voit que les effets, si vous voulez, le matériau, c'est du plasma, c'est une forme plasmatique d'énergie. Comment vous avez pu, normal, entre guillemets, ou... Ah oui, oui. Ah ben ça, c'est le syndrome post-traumatique après. Hein. J'ai eu du mal. Ça. J'avais eu la nostalgie que j'étais un petit peu. J'ai dit c'est pas vrai, t'as vécu avec des gens avec extraordinaire et là tu dois te retrouver. Là. Ça a été dur. Et vous avez pu partager ça? Vous avez pu en parler? Non, j'en ai pas parlé. J'ai attendu plus de 40 ans à en parler. Mon père le savait, oui. Oui, mon père le savait parce qu'il a été prévenu, oui. Quand, dans mon retour de l'Aisne, il était, oui, il m'attendait. Et il m'a dit qu'il avait reçu un courrier, comme quoi je rentrais. Et pour les 27 000 francs, il n'a pas été donné, votre père? Vous reveniez avec 27 000 francs comme ça? Mais je lui ai dit que, d'ailleurs, je... Eh bien, non, pas vraiment, non. J'en ai acheté, mais en 1970, j'ai acheté ma première Ford Escort. Et encore, il me restait du pognon. Oui. Oui. Pourquoi ils ont sélectionné votre groupe sanguin en positif? Mais il y avait plus que le groupe sanguin, je pense. Il y avait d'autres caractéristiques. Et vos journées de 24 heures, vous comptiez les heures, c'était occupé 24 heures sur 24 avec eux? Ah, j'étais pas occupé, non. Ils vous donnent un programme à l'avance, oui. Ou c'était au jour le jour Non, c'était au jour le jour en fonction des événements, on va dire. Quoi. Et vous ne vouliez pas passer la nuit, vous dormiez? Ah oui, par contre, il y a quelque chose au niveau du sommeil, c'est que je dormais, comment dirais-je, quand j'allais au lit, je dormais illico. Et quand je me réveillais, je me réveillais pleinement réveillé. Ça, c'est... J'ai jamais revécu, d'ailleurs, ce genre de choses-là, depuis. Oui. Moi, j'ai une question, c'est au niveau du yoga, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des choses particulières pour augmenter ses états de conscience ou son bien-être physique, en fait, qui vous ont transmis dans la pratique du yoga? Est-ce que tous les yogas se valent ou est-ce que vous avez quelque chose en particulier? Je ne sais pas si tous les yogas... Vous avez appris, est-ce qu'il y a des conseils? Disons que, comment dirais-je, il faut unir entre le corps et l'esprit. Moi, j'ai mon épouse pratique le yoga aussi. Il faut unir entre le corps et l'esprit, avoir une grande confiance en son corps, il faut l'écouter. Le corps vous parle à chaque instant. À chaque instant, à chaque seconde, il y a une modification de l'énergie. Et comment dirais-je, oui, il y a dans toutes nos cellules, à chaque seconde, il y a une modification. C'est permanent. Hein. Alors après, vous pouvez l'augmenter ou... Si vous avez une bonne nouvelle, par exemple, vous êtes fier, vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez de l'énergie. Si vous avez une mauvaise nouvelle, vous serez fatigué, ça va vous déprimer. Mais ça vient de l'esprit. Le jour où on arrive à... Pas à maîtriser l'esprit, mais à travailler avec lui. On ne peut jamais maîtriser l'esprit. Mais à travailler avec. Alors là, vous avez déjà grandement avancé. Il faut travailler avec. Parce qu'il y a toujours des pensées parasites, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir, est-ce que ceci va se produire, etc. Ce sont des choses, c'est larvaire, c'est des larves qui vous parasitent. Ça. Si vous arrivez de suite à avoir un contact avec l'énergie, mais non, je ne suis pas, je vais réussir, non, je vais, voilà, dites, alors, je fais appel à la force divine, il y a une partie à moi qui est divine, non, et de suite, vous allez refaire surface. Hein. On n'est jamais seul. Cette force est plus grandiose que nous. Elle est avec nous, elle nous aide. D'ailleurs, pour cette expérience-là, tant que j'y pense, là, au début, que m'a dit le guide? Le guide, il m'a dit, si tu te cognes à un doigt, il m'a dit, pour comprendre cette force divine, il m'a dit, si tu te cognes à un doigt, tu fais une écorchure, elle va se réparer toute seule. Donc, c'est intelligent. Il m'a dit, si tu te recognes à un autre endroit, il me dit que ce sera la même chose.
si tu fais une grosse écorchure, le corps va reproduire la peau juste ce qu'il faut et exactement ce qu'il faut, exactement là où il faut. Et là, ça m'a fait dire, j'ai compris, effectivement, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Ah, pendant un an, oui. Donc pour vous, c'était une expérience bienveillante. Oui, ah oui. J'ai entendu dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a des expériences qui sont malveillantes. Ah, il y en a, oui, je pense que oui, je pense que oui, bien sûr. Disons que c'est un yoga, comment dirais-je, vous prenez par exemple, vous allez prendre, comment dirais-je, vous voulez prendre une position, vous avez d'abord vous l'inscrire dans la tête, et vous y allez très très doucement, très très lentement. Quand vous y êtes, vous gardez la phase pendant le temps que vous pouvez, et puis après vous sortez tout doucement, si vous voulez, de manière très progressive, c'est des mouvements très très lents, entre la mobilité et l'immobilité. L'immobilité est très importante. Pour le mental, c'est pareil. Si vous arrivez à immobiliser une partie des pensées parasites, par exemple, ou autres, et maintenir pendant un bon moment une seule pensée, alors là, ça permet d'avancer énormément, de sortir même d'une certaine sphère. Mais il faut du temps. En fait, on dit, il faut travailler. Est-ce que tu as eu des nouvelles après le temps passant de ces êtres ? Est-ce qu'ils sont revenus à toi ou pas ? Non, ils ne sont pas revenus. Non, ils ne sont pas revenus. Non. Mais bon, il me l'avait dit. Il m'a dit, maintenant, pendant un an, tu as fait, un travail continu. On t'a appris beaucoup de choses. Et quand tu seras après l'âge de la retraite, tu verras que tu auras avancé grandement. Et moi, je m'aperçois maintenant que c'est un peu vrai. C'est vrai que j'en ai parfois la nostalgie de ces gens, tout ce qu'ils m'ont appris, je les remercie d'ailleurs, s'ils sont par là, je les remercie. Je ne crois pas qu'ils soient là. En quoi vous leur avez été utile et qu'est-ce qu'ils ont prélevé sur vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez parlé d'examens médicaux ? Non, apparemment, à part l'implant que je fais là, ils m'ont mis, à part le gène aussi, le variant là, inconnu, après, je ne sais pas. Il est en sommeil. Mais il peut se... Alors oui, par rapport à l'implant et la paralysie du sommeil. Bon, j'ai été, on va dire, victime. Non, c'est pas le mot victime. C'est la paralysie du sommeil, comment je l'ai ressenti, moi. Ça se produisait souvent vers entre 2h14 du matin et 4h du matin. Alors d'un seul coup, je sentais, je me réveillais parce que j'avais chaud. Alors je me réveillais, j'avais très chaud. Ensuite, il y avait un champ d'énergie que je ressens, je les ressens, c'est incroyable le champ d'énergie, comment je peux les ressentir. Hein. Et donc, ce champ d'énergie, et d'un seul coup, hop, je ne pouvais plus bouger. Et alors, en même temps, sur l'oreille gauche, j'avais un bruit strident, comme un sifflement strident, comme une scie circulaire un petit peu, et qui augmentait, et puis je ne pouvais plus bouger. Et puis je sentais l'implant qui envoyait des pulsions. Pendant les semaines ou les mois précédant l'une de l'autre, il voyait le travail, le chemin que j'avais fait, les gens que j'avais rencontrés, qu'est-ce que j'avais rencontré comme difficulté, etc. Ça prenait quelques secondes, c'était pas très long, hein, juste un échange d'énergie, un échange de vibrations. Et puis je reprenais le champ d'énergie s'estompé, et puis souvent je me rendormais après. Hein. Et en principe, j'étais en grande forme le lendemain matin à la suite de ça. Mais ça, c'est vrai que vous sentez paralysé, le corps ne bouge plus, vous ne pouvez plus bouger. Vous n'avez que la pensée, vous ne bougez plus. Ça s'est produit au cours de ma vie, au moins une centaine de fois, peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas exactement, peut-être une centaine de fois, peut-être plus. Alors la dernière que j'ai eue, c'était en 2014. Bon, je pense que vu l'âge, après vu le vieillissement, vu l'âge, je pense qu'après ils n'avaient plus besoin de... Parce que ça ne s'est plus reproduit. Hein. Depuis 2014, ça a été fini. J'en ai plus. Vous étiez revenu avec une mission ? Informé. Mais après 40 ans. Après 40 ans.
40 ans après. Ah, voilà pourquoi vous avez voilà. parlé. Voilà, pendant 40 ans, j'en ai pas parlé. Pourquoi vous avez dit, ces êtres vous auraient dit de ne pas parler avant 40 ans? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Oui, sinon, ils m'ont dit, si jamais t'en parles, là, on t'enfermera dans un article psychiatrique. Oui. Justement, vous pouvez revenir en expérience sur la base. Vous avez raconté des expériences qu'on a pu lire dans le livre. Oui. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes extraordinaires que vous avez vécues? Parce que vous êtes resté un an sur cette base, donc. Oui. Vous avez dû lire pas mal d'expériences. Oui, j'en ai une. Une fois, j'ai voulu désobéir cette fois-là. J'ai voulu désobéir à la biologiste. Mal appris, là, ce jour-là. Alors, il y avait un endroit que je voulais voir parce qu'il y avait des dessins spéciaux, là. J'ai voulu. Alors, elle m'avait interdit d'y entrer formellement là-dedans. Et j'ai dit, mais j'étais me promener. Parce que souvent, je me promenais dans les couloirs tout seul dans la base. Là. Bon, des fois, il y avait des gens qui travaillaient après et c'était ouvert. Il y avait des hangars, il y avait des gens qui bossaient sur des machines, etc. Bon. Mais là, cet endroit, c'était fermé. J'ai dit, il faudrait que cette fille soit avancée de pousser cette porte-là. Bon, je m'approche, là. Puis, arrive un moment, je sentais de la résistance, là. Et puis, il faut que j'avance, là. J'avançais. Alors, j'ai avancé le bras un peu. C'est que le bras était bloqué. Puis, je me suis arrêté, là. Je voulais faire une marche arrière, je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour, je ne pouvais pas m'en sortir, j'étais bloqué. Pourtant, il n'y avait rien qui me... Hein, je ne voyais rien qui me bloque. Hein. Et alors, avec le pied, j'ai fait exactement comme ça, là, de me pousser en arrière. Et puis, une fois que j'ai dégagé un pied, ça a été fini, je me suis dégagé après. Hein. Et je n'ai pas recommencé. Vous avez toujours amené un objet? Non, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit non, parce qu'on te mettra à l'asile ou en prison. Si tu ramènes ça. Et vous avez été dans la base pendant un an, vous n'avez pas vu le soleil, vous n'avez pas fait. On sortait tous les deux ou trois fois, peut-être par semaine, ou un jour sur deux, ou un jour sur trois. On montait dans le fameux ascenseur, on sortait à l'extérieur. Là. Oui, il y avait des vêtements, j'avais des vêtements, une combinaison blanche, une combinaison qui préservait des radiations, de la chaleur et du froid. C'était les mêmes vêtements qui portaient. Non, c'est pas exactement. Pas exactement. Est-ce qu'il y avait des notions de temps? C'est-à-dire qu'il vous donnait des temps précis? Est-ce qu'il vous enlevait votre montre, par exemple? J'avais pas de montre, mais j'avais une radio en demi-cercle, là. Et ça indiquait le temps. Et je voyais aussi, dans l'écran, je voyais mes parents là-bas. Alors après, j'ai appris qu'ils avaient mis, sur un arbre, ils avaient mis une sonde. Ils avaient posé une sonde sur un arbre à côté de chez moi. Là. Sur un grand chêne. Et je voyais la cour, je voyais même l'intérieur de la maison. Une fois, j'ai vu mon père et ma mère qui s'engueulaient joyeusement. C'est vrai que ça fait... Oui. Non. Oui. C'est quoi leur rôle? Est-ce qu'ils vous ont expliqué leur rôle au sein de la planète? Enfin, qu'est-ce qu'ils font sur notre planète? Leur rôle, c'est de préserver la vie. Ils mettent aussi des... Moi, je pense maintenant, parce que bon, on place des, ce qu'on dit la G5, oui. Et eux, ils ont placé depuis longtemps, ils placent des amplificateurs d'énergie qui parfois sont placés sur les arbres ou sur certaines villes ou autres. Mais c'est du camouflage, c'est camouflé. Ils gèrent la biosphère, quoi. Oui, en partie, oui. Et autre chose? Disons que, ah oui, mais j'en parlerai après, là. J'ai une idée par rapport au ciel bleu, d'ailleurs. Moi, j'ai vu que cette civilisation, en tant qu'humain, je n'ai pas vu d'autre que moi. Hein. Je pense qu'ils font de la surveillance un peu partout sur la planète. C'est vrai qu'ils font des expériences aussi. Hein. Ils essaient peut-être de faire avancer l'humanité. Ils essaient de voir la pollution, de voir... Parce qu'ils m'ont souvent dit, vous faites des bêtises. Là, vous faites des bêtises. Alors, au niveau, de la recherche spatiale, là,
1969, il y a eu le soi-disant vol sur la Lune là-bas. Et ils m'en ont pas parlé. Ils m'ont jamais parlé que l'homme ait été sur la Lune, voyez-vous. Par contre, oui, ils m'ont dit qu'ils nous empêcheraient d'aller très loin hors de l'atmosphère terrestre. Ils nous permettraient peut-être de tourner autour de notre planète. Mais on n'irait jamais ailleurs, tant que nous n'étions pas des êtres humains à part entière, c'est-à-dire raisonnables, hein, de supprimer le mot de conquérir, hein, etc., etc. Quel est le nom de la planète, hein? Quel est le nom de leur planète? Ils ne me l'ont pas dit. Ils étaient nombreux à la base? Je ne sais pas. Il y avait du monde quand même. Je pense qu'il y avait du monde. Et hommes et femmes? Il y avait deux sexes? Oui, il y avait des hommes et des femmes, oui. Des enfants? Non, je n'ai pas vu. Est-ce qu'ils continuent à envoyer des messages par télépathie? On peut dire que, je ne sais pas si c'est eux, oui, mais il m'arrive de recevoir des messages télépathiques, ça arrive. Pas tous les jours, mais ça arrive. Et la puce, Rosa, c'est désactivé. L'implant? Non, c'est désactivé, l'implant n'est plus activé là. Mais pourquoi c'est désactivé? Parce qu'ils l'ont désactivé. Donc voilà, ils n'ont plus besoin de moi. Est-ce que vous avez vu des symboles particuliers dans la base? Oui. Oui, il y avait un symbole particulier, oui, avec une tige là comme ça, avec deux branches comme ça, en dessous pareil deux branches comme ça, et une branche en travers avec un triangle au milieu, rond au milieu. Mais elle est sur le livre de Georges Metz, vous l'avez là, le dessin pariétal, ils appellent ça. Comme le dessin sur courant un peu ou... Hein? Comme le dessin de Socorro? Non. Est-ce que vous avez vu des enfants? Le rapport homme-femme était le... Il y avait une égalité? Vous avez vu des enfants? Les femmes étaient très, très représentées. Oui, très représentées. Je pense que les femmes dans cette civilisation s'occupaient surtout du, comment dirais-je, au niveau de la santé, au niveau de la recherche médicale, si vous voulez, un petit peu comme des médecins, etc. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie dans la communauté? Il y a une hiérarchie, oui. Il y avait une hiérarchie, oui. C'était pas... Moi je n'ai pas vu au niveau du... Au niveau des... Je ne l'ai pas vu, là, par rapport à ça, mais enfin, ça se sentait. Hein. Robert, j'ai une question qui figure dans le livre de Georges Metz. Peut-être que vous pourriez nous apporter des informations à ce propos. Cette civilisation, aussi avancée soit-elle, avait une certaine crainte, je crois, de ce qu'ils appelaient les supérieurs inconnus. C'est-à-dire une autre civilisation qui semblait régir l'activité de plusieurs civilisations, oui, tout à l'heure. Oui, oui. Et ils n'étaient pas forcément appréciables, parce qu'ils en avaient un peu peur, je crois. Oui, c'est vrai. Ils étaient sous les ordres de cette hiérarchie, est-ce que vous pensez? Je ne sais pas si... Non, ils n'étaient peut-être pas sous les ordres, mais disons qu'il y avait les sages, si vous voulez. Les sages, c'était des gens qui étaient un petit peu, peut-être pas différents physiquement, mais qui avaient des capacités de pouvoir se déplacer sans vaisseau spatial n'importe où dans l'univers. Ils vous en ont parlé un peu de ça? Un petit peu, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à leur sujet? Ils nous ont dit que, qu'ils se conforment aux lois de l'univers. C'est pas... Tous, ils devaient se conformer aux lois de l'univers. Et comment dirais-je, surtout de s'occuper des gens les plus faibles. Celui qui est un peu plus fort que l'autre, ou un peu plus intelligent, ou un peu plus, réactif, doit s'occuper de celui qui peut le moins. Et leurs objectifs à vos amis visiteurs étaient-ils induits par la volonté de ces sages supérieurs? Qu'ils étaient justement un peu à leur service, ou ils étaient contraints de travailler pour eux? Non, ils n'étaient pas contraints, non, ils n'étaient pas contraints. La civilisation que je parlais là, tout à l'heure, les Yargas, là, ils étaient en fin de cycle humanitaire. Et si vous voulez, ils abandonneront leur planète, ils avaient dit, ils abandonneront leur planète pour passer sur des planètes éthériques, pour revenir vers la source. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ils essayent, même le biologiste me le disait, même le guide, d'essayer. Pourquoi on vous dit justement d'aider les plus faibles? Parce qu'en les aidant, vous raccourcirez le temps de votre progression spirituelle. Il faut aider les uns et les autres. Et aider les plus faibles.
à rattraper les autres, le niveau des autres. Donc leur démarche n'était finalement pas totalement altruiste, finalement ils le faisaient parce que c'était dans leur intérêt de pouvoir évoluer rapidement. Il y a un intérêt aussi, oui. Oui, bien sûr, il y a un intérêt aussi. Il y a moins de contraintes, il n'y a pas de contraintes physiques déjà. C'est, je pense, beaucoup plus agréable. Disons que l'univers est toujours en construction. On m'a dit que l'univers se construisait tout le temps. Il se perfectionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils ne vous ont pas proposé de rester avec eux et ça ne se tentait pas? Non, disons qu'ils m'ont dit que... Bon, j'avais demandé si je pourrais vivre sur leur planète. Ils m'ont dit que tu pourrais facilement y vivre parce qu'elle a à peu près les mêmes conditions, les mêmes caractéristiques. Mais tu ne t'adapterais pas par rapport à la technologie tu serais, et notre façon de vivre, tu serais complètement dépaysé. Tu ne t'y ferais pas. Tu ne t'y ferais pas. Et le mode de propulsion de leurs engins volants, vous en avez parlé ? Un petit peu. Il y a un dessin aussi sur le livre de Georges, hein, avec des, comment dire, avec des anneaux, des aimants, des couronnes tournantes, des couronnes électromagnétiques tournantes. L'une tournant dans un sens et l'autre dans l'autre. Ah, ensuite, je crois qu'il y a, certains autres matériaux que bon, ils ne me les ont pas décrits. Et ça permet d'enlever le poids. On m'a dit même que le champ magnétique de la planète pouvait repousser les vaisseaux en cas de panne. Au lieu de tomber, il allait monter à une certaine altitude et un autre vaisseau, éventuellement, pourrait venir le récupérer. Mais ils m'ont dit, chez nous, ça n'arrive jamais. Ils étaient peut-être prétentieux aussi, je ne sais pas. Bon, c'est vrai, moi j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti, donc. Ils vous ont pas expliqué comment il avait pu venir, au niveau technologique, comment il avait pu venir de si loin sur la Terre ? Parce qu'ils m'ont dit qu'il ne passait pas par des lignes droites, mais par des lignes courbes. Vous voyez, ça me paraît curieux, hein, d'ailleurs. Mais bon, ils créent des tunnels. Ils créent des tunnels et ils passent à des vitesses absolument colossales. Et en plus, les tunnels, si vous voulez, ça fait appel à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les champs d'énergie. Se projeter dans, si vous voulez, visualiser, ou, comment dirais-je, matérialiser là où on veut aller, et le tunnel va arriver, il arrive là, et hop, et on part à une vitesse absolument colossale. Ça n'a rien à voir avec les piles de l'univers. C'est peut-être un peu ça, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ça. Combien d'années 20 000 ans, ils m'ont dit. 20 000 ans. Est-ce qu'ils vous ont dit mot pour mot ? Oui, 20 000. Il y a longtemps qu'ils étaient dans cette base, est-ce qu'ils ont dit combien de temps ils étaient là ? Ils m'ont dit qu'ils n'y avaient pas été, toujours été. Hein. Mais les bases sont partagées. Pendant un certain temps, il peut y avoir une civilisation. Parfois, la base peut être partagée par plusieurs, mais ils peuvent s'en éloigner pour qu'une autre civilisation puisse venir aussi. Accroupir, accroupir toujours, oui. Mais parce qu'on était méchants. Parce que, pas nous, pas tout le monde. Ils nous ont dit, vos dirigeants, ce sont des arrivistes. Hein. Ce sont des menteurs. Ils nous ont qualifiés de... Hein. Est-ce qu'ils vous ont fait des prédictions, passées et futures ? Vous parlez par rapport au passé ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Par rapport à notre futur proche ? Non, pas vraiment. 2050 ? Pas vraiment. Non. Vous n'avez pas eu accès, on va dire, à... certaines informations en lien avec l'histoire de l'humanité. Vous n'aviez pas accès à de l'information, des informations, non, pas des archives, non, mais bon, ils m'ont dit que l'humanité est très très ancienne quand même. L'humanité remontait à des millénaires et des millénaires, mais à des centaines de milliers d'années. Il n'y a pas eu de tout d'informations, de connaissances qui vous ont été transmises sur non. Éventuellement d'autres civilisations sur Terre avant nous ou ce qu'on appelle l'Atlantide, etc. Ils m'ont dit que l'histoire que racontaient nos chercheurs ou nos savants de l'humanité, c'était faux. Tout était faux. Il n'y avait rien de vrai. C'est pas compliqué. Après, ils ne m'ont pas dit plus. Ils n'ont pas justifié ça. Non. Oui. Est-ce qu'ils nous ont parlé de leur durée de vie, en fait, Entre 400 et 500 ans. Et par rapport de nos années. Hein. Par rapport aux variantes, vous avez il est inconnu. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a ce qui est connu. Et donc, inconnu, c'est par rapport à quelle propriété qu'aurait votre variant. Et ils ne le savent pas, justement. Même la professeure la généticienne, là, elle ne savait pas. Elle a fait appel à d'autres généticiens, personne ne sait.
ils ne savent pas, dans leur écrit, ils ne savent pas ni à quoi ça sert, ni pourquoi il est là, ni à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça peut faire éventuellement. Voilà. Rien. Donc ils avaient besoin de vous pour ça, essentiellement. Ah mais pas, non, mais là je ne parle pas des célestes, là je parle de... De la recherche, oui. Oui, je parle de la recherche. Et ils avaient besoin de vous, si vous en avez, pour ce... Peut-être. Ah peut-être, je ne sais pas. J'ai pensé aussi à ça, oui, j'ai pensé. Dans le livre de Georges Metz, vous précisez que justement le programme auquel vous avez été sollicité était justement fait pour le peuplement. Oui, pour le peuplement, oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne sais pas si je dois y croire, même encore. J'ai des doutes là-dessus. J'ai énormément de doutes là-dessus. Vous avez écrit quelque chose. Comment ? Vous avez écrit quelque chose, parce que j'entends parler de titres de bouquins. Ben j'ai écrit un livre mais qui ne sera pas publié, parce que j'ai eu quelques soucis. J'avais tout le temps, quand j'écrivais, j'avais tout le temps l'ordinateur qui se bloquait, une autre fois il y avait ci, une autre fois il y avait là. Et puis un beau jour, quand le bouquin était fini, j'étais content. J'allais l'adresser à Gérard Deforge, comme il était professeur de français, il allait me le corriger. Et les photos, il allait me le corriger pour le publier. Et un beau jour, mon épouse avait été à un loto. Un loto familial ou autre, de la commune, ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon. Et j'étais moi à l'ordinateur, là, j'étais en train de regarder là, tout ça. Et puis, il y a un parc là-bas, il y a une petite haie, il y a un parc. Et je t'ai vu arriver une grosse voiture, toute noire, une grosse cylindrée. C'était une limousine. Vous savez, il y a une grosse voiture américaine. Putain, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben dis donc, il doit y avoir des riches chez nous. Bon. Et puis je continue là. Et puis elle s'est égarée, moi j'étais comme ça, l'ordinateur, et là-bas, c'était, si vous voulez, ouais, montrer aux face des gens, il y avait le parking. Moi j'étais à l'ordinateur, là, il y avait la fenêtre, là. Et puis, d'un seul coup, je me suis pas senti très bien. J'ai regardé, là-bas, et là, une portière s'ouvre, là-bas. Un gars en descend, en costumé, comme on dit chez nous, en cravaté. En costumé et en cravaté. Et alors, j'ai dit, ce coup-ci, ça c'est pour moi, ça. Ça c'est pour moi. Alors je sors, j'ouvre la porte, et le monsieur on était à 2 mètres, j'étais sorti sur environ 2 mètres. Là. Et il me dit, vous êtes Robert? J'ai dit oui. Vous êtes monsieur Lortal? J'ai dit oui. Il me dit, il a pris son temps, là, il m'a regardé. Il était plus rond que moi, en plus. Il faisait 1m80, 85. Il me dit, vous êtes en train d'écrire un livre, il m'a dit. Vous avez une famille, il m'a dit. Vous avez 2 filles, qui malgré tout sont super. Il m'a dit, vous savez, mais votre livre, il m'a dit, vous savez, celui qui ne sait pas, il était en face de moi, il m'a dit, celui qui ne sait pas, il peut parler. Mais celui qui sait, se tait. Comme ça, il m'a dit, tac, celui qui sait, se tait. Alors c'est fini, moi ça a été fini. Ça m'a perturbé, mon pauvre, je suis rentré là, j'ai... D'accord. Contacter le français, Pierre Rodet, avec ce genre de visite aussi. Mais ce que je voulais dire, c'était une bombe. Et je pense que ça l'est encore. Donc, ça ne paraîtra pas. Et maintenant, tu ne penses pas que tu pourrais le dire? Non, non, pas encore. Pas, non, 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 non. Je te dis, c'est de l'atome. C'est lié à l'expérience ou à... Non, c'est lié à certaines choses que j'ai pu apprendre. Je ne l'ai pas couché sur papier, non. Je l'ai brûlé. Mais pas. Je vois qu'encore, c'est trop tôt. Non, mais je ne veux pas en parler parce qu'encore, je risque d'avoir des problèmes. Ils m'ont dit qu'ils volaient les gouvernements. Et ils leur volaient du pognon. Par contre, il y en a qui travaillent, il y en a des êtres qui appartiennent donc, à cette civilisation avec laquelle j'ai eu affaire, là, qui ne sont pas si grands, des gens qui travaillent avec, des gens qui travaillent, qui sont dans des labos, qui sont souvent physiciens, mais qui n'ont pas les premiers rôles, si vous voulez. Mais ce sont des chercheurs. Mais pour installer cette base, par exemple, ils l'ont fait avec l'accord des gouvernements concernés sur la zone, ou,
Je sais, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, là. Je ne peux pas vous dire. Là, c'était entre la frontière entre la Chine et l'Inde. Eh bien, apparemment, oui. C'était dans la région du Ladakh. Il y avait des montagnes, ça faisait froid, c'était haut, c'était l'Himalaya ou l'Inde des plaines. Oh, c'était un petit peu haute. Maintenant, à un endroit, à un moment donné, là, où j'étais, il y avait des arbres, des conifères, là, qui n'étaient pas très grandes, d'ailleurs. Hein. Alors, comme eux, ils avaient toujours une espèce de boule, là. C'était une boule ovale qu'ils avaient à la main. Il la trimbalait toujours. Hein. Et un jour, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que c'est que cet engin, là? Qu'est-ce que vous en faites de ça? Ah, ben, il m'a dit, écoute, ce soir, on va te montrer. Alors, on est parti, là, on est monté, donc, avec l'ascenseur, là-haut. Et sur un peu plus loin, là, il y avait un conifère. Il m'a dit, alors tu prends la boule. Lui, il la tenait, moi aussi. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, tu vois, ça peut détruire si c'est une arme. Il m'a dit, ça peut être une arme. Ça peut être quelque chose qui peut t'aider aussi à monter. Si tu es dans un trou ou dans un puits, tu tombes dans un puits, ça va te remonter. Tu vas monter comme un... très bien. Alors il m'a dit, tu vas t'appuyer là-dessus. Vise bien, clac, je vise. J'appuie. Le conifère, il n'y en avait plus. Et il n'est pas parti en fumée ni rien, hein. Il n'y était plus. J'ai vu comme ça, il a juste une légère vibration, il dit zoup, deux, trois secondes, une vibration, il n'y a plus rien. Il m'a dit si vos hommes, si vos dirigeants, si vos gendarmes, vos policiers avaient ce genre d'armes, mais vous feriez, mais ce serait une catastrophe. Et non, ça se voit pas. J'ai eu fait des radios, non, ça se voit pas. On n'a pas pu le voir. Apparemment, il y en a qui c'est en partie éthérique, je ne sais pas. Le radiesthésiste qui avait mis la main, là, il avait ressenti comme il faisait quelques centimètres de longueur. Je ne sais pas, un petit peu comme un serpent. D'ailleurs, je le sentais, moi, il s'est faufilé. Ah, mais c'est vrai que ça a été spectaculaire. Le jour où il a pris la décharge, là, ce soir-là, il est tombé quasiment à la renverse. Hein. Il est parti à 2 mètres, là, comme une force qui le repoussait. Et devant, on était une quinzaine là, de personnes. Il y avait le contre-amiral, il y avait... Michel Gracien, oui, c'était le radiesthésiste. Michel Gracien, ça y est, ça me revient. Oui. Est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres civilisations? Oui, 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 ah oui, oui, oui. Oui. Oui, 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 ils sont en contact, oui, tout à fait. Série maintenant depuis les années 60, ça te faisait-il des fois des allusions de ce que tu avais vécu, ce qu'il disait? Un petit peu, mais de loin, parce que ce que j'ai vu, non, à la base, à la fameuse conférence que j'ai assisté à la base, c'est, je ne sais pas si on a encore cette technologie, puis il y en a qui parlaient, il y en a d'autres qui ne parlaient pas. Il y avait des gens qui avaient des peaux rouges, bon, des trapus, ça m'a marqué, parce que les gars, ils étaient assez trapus, ils étaient comme ça, ils marchaient un peu comme ça, vraiment, vraiment comme ça, là. Ça, c'était. Voilà. Mais le thème, je pense que c'était un échange qu'ils doivent avoir régulièrement avec d'autres civilisations. Ils échangeaient sur d'autres planètes, sur des expériences, avec des, comment dirais-je, au niveau de la vie, au niveau du local, de la vie locale, au niveau des plantes, etc., je pense. Ils cherchaient beaucoup là-dessus. Vous avez vu des œuvres comme des grilles avec des grosses têtes? Jamais. Jamais. Non. Oui. Est-ce qu'ils ont parlé d'Alpha du Centaure? Non. Des bases sur d'autres planètes du système. Ah oui, Monique, oui. La Lune, Mars ou d'autres. Ah, je ne sais pas, la Lune ou Mars, mais oui. Est-ce qu'il y a un concept de religion, de Dieu particulier ou... Non, ils n'ont pas de religion. Leur religion, m'ont dit que c'était surtout, comment dirais-je, au niveau de la sensation, au niveau de la vie elle-même, au niveau de l'énergie, de la vie. Non, du tout. Ils m'ont dit que nous étions, en tant qu'êtres humains, des êtres absolument extraordinaires. L'être humain était une des races les plus avancées dans l'univers, une des plus avancées, et que la présence humaine c'était partout dans toutes les galaxies, il y avait toujours de la présence humaine, quelle que soit la galaxie. Oui, ils sont partout. Oui, ils m'ont dit la Lune. Non, pas nécessairement. Non, ils ont aussi, comment il m'en a parlé un petit peu de guide. Bon.
soit par, comment dirais-je, ils font pousser des cellules dans des containers. Dans des containers, oui. Et justement, après, ils peuvent y mettre une âme, ils peuvent y mettre bon, donc une personne, un esprit, donc une entité, quoi. Ont-ils une activité sexuelle et auquel cas, est-ce qu'ils sont reproductibles avec nous? Est-ce qu'on peut se reproduire avec nous? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas dit. Vous avez parlé du ciel bleu tout à l'heure. Oui, le ciel bleu, oui, le ciel bleu. Bon, le ciel bleu, disons que le ciel bleu, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est vrai que la science explique tout, mais elle est loin d'expliquer de manière correcte ce qui est. Est-ce que le ciel bleu, bon, là je pose une question, ça fait réfléchir, est-ce que ce ne serait pas simplement du plasma densifié, du plasma? Une illusion. Peut-être. Pas une illusion, mais c'est... C'est, si vous voulez, c'est une, comment dirais-je, c'est un grillage, une sorte de grillage. Et est-ce qu'on peut le pénétrer? Est-ce qu'on a été sur la Lune? Est-ce qu'on a, etc., etc. Est-ce que c'est une protection ou à l'inverse une cage plutôt? C'est quoi? C'est un, comment dirais-je, je pense que c'est une barrière pour nous. C'est une barrière. Ah, c'est une barrière. Oui. Une barrière. Oui. Vous avez voulu l'interview du pilote de Roswell. Est-ce que ce que vous vouliez dire peut-être rejoint? Je ne sais pas si vous l'avez lu cette interview du pilote de Roswell. J'en ai une idée, oui, j'en ai vu un. Parce qu'à un moment donné, on parle bien sûr que nous serions en fait confinés sur cette planète. Oui. On ne peut pas aller plus loin. Donc, vous allez voir, vous allez voir, c'est quoi ? Moi, je pense qu'au-delà d'une certaine altitude, on peut monter très haut. Mais après, on peut faire le tour. On peut faire le tour. Mais on peut monter très haut, évidemment. Mais arriver à un certain niveau, ça c'est... Non, ça, c'est... Là, c'est bleu, d'accord, on peut arriver à peu près, voire même un petit peu, mais après, il y a autre chose au-dessus, il y a autre chose. Ouais, on a bien des images de Mars avec Rover. Alors, c'est des images, oui, des images, oui. Bah, il ramène des échantillons aussi. Il y a des... Ah oui. Pas très bon. Oui. Qu'est-ce qui vous fait tellement monter? Ça me fait douter parce que... Non, je ne doute pas, non, non. Sur quoi est fondée votre certitude? Disons qu'il y a, comment dirais-je, si vous voulez, il y a une barrière, un champ densifié d'énergie, une barrière de plasma qui est hyper, hyper agressive. Bon. Et qui ne peut pas être transversée? Elle peut, à condition d'avoir les moyens. Elle peut, bien sûr que si, heureusement d'ailleurs. Parce que quand vous arrivez, je vais être obligé de m'avancer un peu, tant pis. Si vous voulez, si vous montez de manière mentale à ces niveaux d'altitude-là, vous comprendrez très vite que là le décor n'est plus le même. D'ailleurs, vous allez voir la planète d'une manière différente. Il y a des... Il y en a qui parlent de la planète ronde, la planète plate. Je crois qu'elle n'est pas ronde ni plate. Mais par contre, elle pourrait ressembler à une poire. Le pôle nord, le pôle sud. Grosse à une certaine extrémité. Vous en parlez du pôle sud ou du pôle nord, justement? Non, pas vraiment. Mais... Est-ce que ce serait une sorte de matrice, en fait, qui vous empêcherait de voir? Disons que c'est... Je ne sais pas si... Non, c'est pas... peut-être pas une... Non, non. C'est pas vraiment une matrice, mais... Ça fait partie. C'est, disons que, si vous voulez, quand vous, lorsqu'on est sur Terre, vous êtes à un endroit, vous allez voir, vous fixez par exemple une maison, vous allez voir d'une certaine manière si vous êtes à un endroit. Si vous êtes à l'autre, vous verrez autre chose. Mais là, dans l'espace, c'est la même chose. Hein. Est-ce que les certitudes que vous nous avez confiées concernant votre avis sur ce plasma, sur la Terre, etc., est-ce que ces certitudes font partie de choses que vous avez évoquées ou soulevées dans l'ouvrage que vous aviez prévu d'écrire initialement? On va dire que oui. J'ai un ami, enfin un ami, un copain, là, qui voulait me voir il y a 2 ans. Là. Et il est venu, j'ai dit, si vous voulez me rencontrer, vous venez chez nous. Moi, je ne viens pas chez vous, vous venez chez nous. Alors il est venu, on s'est rencontrés là dans un café.
Ensuite, il a voulu, bon, on a discuté, et donc bien, après, il a voulu savoir, il m'a branché directement sur Bugarache, là-bas, avec les fameux extraterrestres qu'il pourrait y avoir à Bugarache. Alors, on a discuté, alors, bon, il me dit, est-ce que toi, tu pourrais pas avoir quelques idées là-dessus, qu'est-ce qui se passe là-bas, quand même, il y a des choses, il me dit. Il avait déjà été exploré là-bas, il voulait essayer de trouver une entrée de base là-bas, lui c'était son, il était à ce moment-là fixé là-dessus, et il me dit, est-ce que tu n'aurais pas une quelconque idée là par... Bon, j'ai dit, monsieur, bon, il nous avait invité à dîner là avec mon épouse, là. J'ai dit, écoutez, je vais vous indiquer deux endroits où on peut y accéder. Mais j'ai dit, attention, parce que quand vous arriverez à un certain endroit, si vous voyez la barrière de plasma, le grillage de plasma, n'avancez plus, parce que vous serez grillé là, vous serez grillé illico. Alors, bon, je lui ai cité à peu près les deux endroits où, bon, j'ai dit, bon, je n'ai pas donné d'ailleurs les endroits les plus faciles. Alors, ce monsieur a pris un spéléo avec lui. Et ils ont été à un premier endroit que je leur avais indiqué. Ils n'ont pas pu passer. Là. C'était trop petit. Le passage était étroit. Alors ils ont été au deuxième. Le deuxième, là, c'était un peu mieux. Alors ils se sont mis à ramper pendant, sur plusieurs mètres, à ramper carrément. Dans un tunnel. Donc il fallait qu'ils rampent, il ne faut pas se mettre ni même puis ramper carrément sur le sol. Hein. Ils ont mis du temps, hein, pour faire quelques mètres. Et après il y en a un, il a entendu une pierre qui tombait. Et il n'a pas entendu le choc en bas. Bon. Alors après, il s'est avancé, il a perdu pied, et heureusement il est tombé sur une espèce de plateforme là. Et alors le temps qui est, donc il y en avait le, alors le gars que je connais là, il était resté en haut et le spéléo était descendu. Et alors il dit au spéléo, mais alors je vois de la lumière, il lui dit. On dirait que c'est éclairé, et c'est clair. Alors écoutez, je vais avancer un peu. Alors le gars, j'avais prévenu, là, il fait attention parce que tu vas te faire cramer. Et il a avancé. Et à un moment, le tunnel s'est élargi. Et après, il pouvait se mettre debout. Et évidemment, il est tombé sur le grillage de plasma. Et alors là, quand même, il a marqué son arrêt, parce que j'ai dit, tu passes là, tu le touches, j'ai dit, t'es flambé. Et ils ont fait demi-tour. Et bon, après, bon. Alors maintenant, il est sur le point de vouloir publier un ouvrage. Bon, la dernière fois que je l'ai eu, il n'y a pas très longtemps, là, il m'a dit, je ne sais pas si j'arriverai à publier ça. Il m'a dit, je ne sais pas. Parce que quand même le gars, je l'ai trouvé, j'ai dit quand même, c'est vrai que tu as été fort, tu es tenace, tu as voulu, bon, tu es arrivé, mais j'ai dit, alors il veut publier que ça, mais je ne sais pas si tu trouveras un éditeur pour te publier ça. Hein. Non, je ne veux pas dire le nom. Tout à l'heure, vous avez dit, maintenant que vous en parliez, ça fait 40 ans que vous avez attendu. Oui. Et vous avez dit, parce que tout le monde en parle. Ça devient pratiquement commun. Pourquoi vous pensez que tout le monde en parle? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus? Les gens s'intéressent de plus en plus. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a, comment dirais-je, des choses qui... Si les gens savaient, je crois que le monde s'arrêterait de tourner. C'est-à-dire les gens, ils seraient tellement suffoqué, tellement pris pour des imbéciles et pour des idiots, hein, où 80% de ce qu'on nous dit est mensonge, hein, je pense qu'il y aurait une révolution, quoi. Il y aurait une révolution mondiale. D'ailleurs, je pense que malgré cela, je pense qu'elle y sera un moment ou un autre. Là, hein. Mais en fait, je ne veux pas faire de politique non plus. Hein. Oui. Les missions d'information dans les satellites, enfin nos téléphones portables et compagnie, Ah non, mais les planètes, c'est pas les mêmes. Bien sûr que c'est pas les mêmes.
Disons que je vais vous dire une chose, il y a, comment dirais-je, avec un projecteur spécial, vous pouvez projeter une lumière arrêtée à un endroit donné, à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un peu plus perfectionné que ça. Ouais. Et alors, dans ce cas-là, ça veut dire que nos dirigeants planétaires sont en coopération avec ces gens-là, enfin, de vos côtés, pour nous préserver ou pour. À quoi rime de nous faire croire qu'on va là-bas, on fait ci, il y a un avancement technologique. Où veulent-tu. Enfin, c'est quoi leur but? Ils veulent nous donner où? Disons qu'il y a deux forces qui s'affrontent, les forces, comme on dit, positives et des forces négatives. Elles sont partout. Là où il y a le positif, il y a du négatif aussi. D'accord. Oui. Et bon, bon, disons que c'est cela, en fait. Donc, nos dirigeants, globalement, seraient du côté négatif, puisque... Tout à fait, complètement, complètement. Et ils sont au courant de tout ça, finalement, puisqu'ils sont... Bien sûr qu'ils sont au courant, mais ils veulent pas qu'on sache ce qu'eux, ils savent. Ils veulent pas qu'on le... Ils veulent pas. Donc, voilà. Les informations que tu as données par rapport à du garage, oui. Tu les as eues mentalement. On va dire que je les ai captés. Ah, tu les as captés mentalement. Voilà. Tu veux y aller, tu t'es déplacé là-bas. Oui, on peut dire de, oui. En gros, on peut dire ça. Oui. En gros. Oui. C'était une grotte en particulier, ces lieux. C'est grand. C'est une grotte. C'est grandiose. Mais j'en dirai pas plus. Ce qu'on peut dire, c'est que début garage là-bas, il y a un tunnel qui part à Montségur. Et de Montségur, il y en a un qui part au Tibet. Mais on n'en avait pas parlé, ils auraient avec ça. On en a parlé. Parce que moi, j'ai eu le témoignage, il y a longtemps de ça, d'un ami qui est décédé. Et il me parlait qu'à l'époque, déjà, il était jeune, il avait rencontré un berger qui vivait à Montségur. Et ça se passait pendant la guerre avec les Allemands. Et en fait, les Allemands fouillaient partout, cherchaient ce choc. Eh bien sûr. Il y a Montségur aussi. Et donc, ils ont fouillé sous les amassements du château. Et à un moment, ils sont arrivés, ils ont creusé un tunnel, ils sont arrivés à une espèce de grotte. Et là, à ce moment-là, il y a un personnage qui est apparu devant eux, complètement insolite, qui était habillé en mode tibétain. Un truc complètement hors sujet. Oui, je le comprends. En plus, pendant la guerre et tout, bon, ils n'ont pas compris. Alors, ils ont eu peur, ils se sont arrêtés, et ce personnage leur a fait signe d'arrêter, quoi, de ne plus avancer. Mm-hmm. Donc, ils ont eu peur, ils sont repartis, et le lendemain, ils sont revenus, et tout était éboulé. Ah oui. Tout s'était écroulé, et ils ne sont jamais revenus. Heureusement d'ailleurs que... Il y a ce berger qui l'a raconté des années après à mon ami, qui me l'a raconté. C'est quand même insolite de trouver des personnages habillés en tibétain. Mais... témoin tibétain du garage, en haut, qui m'avait dit que c'était au même niveau énergie que le Tibet, du garage. En fait, ces tunnels sont connus depuis belle lurette, en fait, par les gens qui les connaissent. Il y a des tunnels qui vont d'Anatolie jusqu'en Écosse. Il y a des tunnels qui vont. C'est réservé à dans des petits bouquins qui sont. Qui ne sont pas connus de la population. Mais oui. C'est tellement vieux, c'est tellement. On parlait même de l'âge de Cro-Magnon, je crois que ça existait en. Ah oui, ça, mais bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que c'est ces mêmes tunnels-là dont on parle, ou c'est des tunnels qui sont spécialement faits? Il y a des tunnels un peu partout sur la planète. Un peu partout. Il y a eu des écrits du temps du Christ qui étaient au Tibet, et la Vierge Marie, ils se sont réfugiés à Bugarach, à intra-terre. Ils ont été rejoints, après ils sont partis en Angleterre, mais on en parlait déjà. Oui, c'est... Oui. Mais pour en revenir au, comment dirais-je, là-bas, au lama tibétain, là-bas, c'est, si vous voulez, heureusement qu'ils ont été là et arrêté les personnes parce qu'elles se seraient faites cramer à un moment donné. Si vous voulez, comment vous expliquez ça? Vous avez des champs d'énergie, vous êtes d'un pays à un autre pays. Bon, vous avez un espace. Hein, voilà. Alors, vous avez un tunnel. Dans le tunnel, il va y avoir l'augmentation, vous augmentez votre champ d'énergie. Avec une machine ou mentalement, il faudrait quand même déjà fort, hein, ou alors avec des machines. Dans la base, là-bas, il y en a des machines pour qui augmenter l'énergie. Alors, vous voyez, ça fait une spirale. Vous êtes là, alors vous voulez aller là-bas. Alors, vous appelez, elle va venir comme ça, en tournant, une spirale, et il y a à l'intérieur, vous avez de l'espace, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Elle vient là, elle arrive là, voilà, là, et puis quand vous êtes là, vous avancez juste d'un pas, joup,
Vous y êtes directement sur place. C'est-à-dire que pour venir de Tibet à Montségur, il faut deux secondes. Mais on peut le reproduire à petite échelle. On peut le reproduire. Vous le commandez, si le faire sur 50 mètres, sur 100 mètres, petit à petit. Et si vous voulez, vous allez disparaître. On parle des... Comment dirais-je, les vaisseaux spatiaux, là. On parle des vaisseaux spatiaux ou des personnes qui sont contactées, là, comment dirais-je, qui sont prises pour cible à un endroit avec un vaisseau à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Le vaisseau va... Il y a une clarté qui se produit. Bon, peut-être les témoins ne la voient pas. Le vaisseau va faire créer le champ d'énergie. Ce champ d'énergie, il faut savoir aussi que c'est un champ isolant. Il vous isole de l'extérieur. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se trouver isolée. Donc elle n'entendra plus le bruit d'une voiture, elle n'entendra plus, elle ne verra plus les voitures qui sont à côté, et l'environnement va changer. Pourquoi? Parce que le vaisseau, il va l'isoler. Le champ électromagnétique va l'isoler, le champ de plasma, c'est du plasma. Ensuite, après, on peut la prendre, on peut la téléporter, la monter dans le vaisseau, elle va passer à travers la paroi, etc. Ou pas, d'ailleurs. Hein. C'est très, très important, le champ d'énergie, c'est très important, parce que tout est lié à ça. C'est lié à tout. Mais ça, il faut faire avec des outils technologiques, ou avec leur esprit? On peut faire avec les deux, ou avec l'un ou avec l'autre. Maintenant, je vous dis, il faut être d'un niveau très élevé pour mentalement arriver à le faire sur des kilomètres ou sur des centaines de kilomètres. Maintenant, il faut savoir que dans ces tunnels, il y a des activateurs d'énergie aussi. Heureusement, parce que pour faire des kilomètres, pour venir par exemple du Tibet à Bugarache ou de Bugarache au Tibet, c'est quand même long, c'est quand même loin. Et pourtant, on peut y aller dans deux secondes. Et la personne va disparaître, vous voyez, ce qu'il y a, la personne, une fois qu'elle a avancé, hop, il n'y a plus personne, vous ne la voyez plus. Une personne qui se trouve 10 mètres plus loin, elle verra, hop, elle disparaît. Ou elle va apparaître de l'autre côté. S'il y a deux personnes, j'ai une apparition, là. Quelqu'un est apparu. Et qui c'est qui aurait fait ce tunnel, dans quel but? Ça fait longtemps. Depuis, il y a eu des super civilisations. Il n'y a pas eu que la nôtre. Il y a eu des super civilisations. Il y a eu l'Inde. Il y avait beaucoup de civilisations très importantes. Avec les Vimanas, etc. Et ils ont fait des guerres terribles, d'ailleurs. Ils ont même volé du matériel et des matériaux au céleste. C'est bien pour ça qu'on nous isole. Hein? Vous avez dit du matériel céleste. Ils ont brûlé quoi? Ils ont volé du matériel, volé du matériel. Ils m'ont appris une grande règle là-bas lorsque j'étais en Inde. M'ont dit, n'oublie jamais, Roro, que l'esprit commande la matière partout dans l'univers, partout. L'esprit commande la matière et la matière obéit à l'esprit. Ça, c'est une règle fondamentale. Vous n'êtes pas contre. Il faut mettre la juste mesure. Oui, il faut mettre la juste mesure. Tout à fait. Depuis cette aventure extraordinaire, donc, tu n'as plus contact avec eux, mais est-ce que tu as eu l'occasion de voir dans le ciel des choses depuis? Ah oui, ça m'est arrivé. Tu as vu des choses encore. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Il suffit de regarder sur le ciel, on voit des choses passer, des fois des boules rouges, des boules vertes, ça arrive. Il y a même une personne, là, il y a 2 ans, là, où on avait été à Villefranche, là, à une rencontre avec Lumière dans la nuit, un gars qui n'est pas très loin de chez nous, qui m'a dit qu'il avait photographié, un vaisseau, sur là où on habite. Et une dame qui est rentrée aussi d'une soirée, qui avait vu sur une des maisons là où on habite, je pense que ça devait être peut-être chez nous, je ne sais pas, un vaisseau stationnaire à une dizaine de mètres d'altitude, c'était 2h du matin, en rentrant de l'auto. Vous êtes surveillé? C'est possible. Comme me disait un monsieur qui travaille à la DGSI, il me dit, toi mon gars, il me dit, t'es libre, d'accord, mais t'es libre, mais on te tient avec une longue corde. Un jour, parce que je lui avais dit, mais j'ai dit, la vie, tu la sens partout. Tu touches un arbre, si tu ressens, tu vas ressentir son énergie. Un arbre, c'est vivant. Il m'a dit, mais tu déconnes. Il m'a dit, écoute, tu vas essayer un jour de brancher ton antenne télé, ton antenne de la radio, là, de son appareil radioamateur, de son poste. Et tu la branches à un arbre, tu essaies de mettre deux diodes là et tu le branches.
Et il m'a dit, j'en suis tombé de cul. Il m'a dit, effectivement, j'ai pu contacter l'Afrique, ça fait antenne. Alors, vous voyez, c'est vrai. Tout est énergie. Une autre fois, c'est pareil. J'étais dans mon coin secret, là où je vais, là. Il y a un arbre majeur, là, dans lequel je vais apposer les mains, là. Et en posant les mains, j'ai entendu une conversation, j'entendais deux messieurs qui parlaient. J'ai dit, mais je regardais partout, il n'y avait personne. Et je remets les mains, j'enlève les mains, j'entendais rien, je mets les mains, j'entends. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Après, je suis sorti un peu, et j'ai vu deux messieurs qui étaient au moins à une centaine de mètres, voire plus, et qui discutaient. Alors que je ne les entendais pas. Et je reviens à l'arbre, et j'entendais exactement ce qu'ils disaient. Ça paraît... Non, mais tout est énergie, tout. Voilà. Bon, mais j'ai pas plus après... Il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a... L'origine des mutilations animales inexpliquées ? On m'en a jamais parlé, je sais pas. Ça doit être une race, peut-être une... je sais pas. Il y a tellement d'espèces humaines et non humaines, il y en a tellement, mais c'est... C'est comme ici, dans cet espace-là. Il peut y avoir un autre champ vibratoire, avec plein de monde, voire un champ, voire une autre construction, voire un bâtiment. Et pourtant, ils sont l'un dans l'autre, mais pas à la même fréquence. Oui. Des formes de vie intelligentes de notre planète, est-ce qu'elles sont obligatoirement de la même morphologie que nous ? Ah non, il y a... Il y a des intelligences qui sont humaines, d'autres qui sont non humaines, qui sont aussi avancées que l'espèce humaine. Ils m'ont dit, il y a plus que l'espèce humaine, mais l'espèce humaine est représentée partout. Par contre, ce que vous avez dit en dernier, le fait qu'il peut y avoir un bâtiment, j'ai vu un article sur une théorie liée à la physique quantique qui parle de multivers et de monde parallèle, qui dit justement qu'au même endroit, par exemple... Là, il peut y avoir plusieurs univers. Complètement. Mais complètement. C'est au millefeuille, bien sûr. C'est à des champs vibratoires, à des étages différents. Les univers, ça se pénètre les uns les autres. Sauf que si vous augmentez votre champ, vous allez voir, peut-être, vous allez passer dans une autre, dans une autre zone de fréquence. Vous passez dans une autre zone de fréquence, vous allez la voir. Des fois, vous pouvez voir les deux, l'une et l'autre, si vous étiez au milieu. Non, ils m'en ont pas parlé à l'époque, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Bon, eh bien. On va remercier beaucoup. Ah. Merci à vous, surtout de m'avoir écouté. Hein. C'est pas. Tu nous emmènes avec toi. Allez, merci. Écoutez, rentrez bien et puis, comme on dit. Hein. Essayons de passer le temps le mieux possible les uns des autres, vu les difficultés qu'il y a à l'heure actuelle. Allez, merci beaucoup. Et merci Isor aussi. Hein. Merci beaucoup Isor. Avec grand plaisir. Donc on se retrouve en 2022. Je vous invite à regarder régulièrement le site Facebook des repas ufologiques. Je ne sais pas encore qui va être l'invité, la date, la prochaine date. Donc vraiment, soyez vigilants.